Amis, chers visiteurs, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez profité de ce moment pour partager du temps avec vos amis, passer des moments de qualité. En ce premier sabbat de l'année, j'ai beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Et je me suis demandé longtemps sur quel sujet j'allais m'entretenir avec vous ce matin. Et j'ai choisi un sujet qui m'est cher, le sujet de la famille. Et je profite aussi pour saluer nos internautes qui nous regardent, car j'ai aussi des invités qui devaient venir avec moi ce matin, mais qui n'ont pas pu, mais qui m'ont dit qu'ils allaient se connecter. Donc je salue aussi tous ceux qui nous regardent par Internet et qui profitent de ce moment de bénédiction. Je vais commencer par introduire ce moment de méditation par une petite histoire que vous connaissez certainement pour certains d'entre vous. L'histoire de Guillaume le Conquérant, qui lors de la bataille de Hastings, en l'an 1006, alors qu'il allait conquérir l'Angleterre, il exhorte son armée à vaincre ou à mourir. Et malgré la fatigue, pour déterminer ses soldats à quitter leur attache et à s'engager à fond dans la bataille, il décide de mettre en œuvre le coup le plus hardi. Il fixe leur attention sur sa flotte en feu. Il a mis le feu au navire. Question de dire à ses troupes, il faut vaincre ou mourir. Et c'est ainsi qu'il vainquit. Et ses vainqueurs n'avaient d'autre choix que de quitter pour pouvoir vaincre. Quelle est l'importance donc de quitter? Pourquoi Dieu a-t-il pris le temps de nous donner ce verset? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je vous propose ce matin d'étudier ensemble l'application de ce verset dans la vie de couple, mais aussi le parallèle que nous pourrions faire dans notre vie spirituelle. Ce verset concernant le mariage est le seul que l'on retrouve à quatre endroits différents de la Bible. Il s'agit premièrement de l'histoire de la création, comme on le voit dans le chapitre 2 de la Genèse. Ensuite, Jésus cite ce verset dans l'évangile de Matthieu. Vous le trouvez dans Matthieu 19, verset 5. Vous le trouvez aussi dans Marc 10, verset 7. Et enfin, vous le trouvez avec l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, à Éphésiens 5, verset 31. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent et décident de former un couple, chacun s'investit dans la relation avec son histoire, son éducation, sa culture, tout un ensemble de choses que nous appellerons le réel du couple. Réel auquel le couple lui-même n'a pas vraiment accès. Et ce réel va influencer sa trajectoire, la trajectoire qu'ils vont suivre. Et comme vous pouvez l'imaginer, chaque couple a une trajectoire différente, puisque nous avons tous une histoire différente. Un couple, ce n'est pas deux personnes, mais une cellule. Nous avons besoin de l'autre pour nous construire. Et la rencontre de l'autre, dans le cadre du couple, va donner naissance à ce que nous appellerons le « nous ». Voilà, il y a d'abord moi, je, il y a mon conjoint, tu, et la rencontre des deux dans le cadre du couple va donner naissance au « nous ». Alors, il y a plusieurs types de couples qu'on rencontre aujourd'hui. Et il n'y en a qu'un seul qui représente le véritable couple. J'ai mis quatre équations. 1 plus 1 égale 0. Deux personnes, deux conjoints qui se rencontrent, mais qui ne forment pas vraiment de couple. Il n'y a pas de nous, de cellules communes qui se soient mises en place. 1 plus 1 égale 1. Deux personnes qui se rencontrent et qui fusionnent complètement, où ils ont perdu tous leur identité. 1 plus 1 égale 2. Encore deux conjoints qui se rencontrent. Mais là, on a l'impression qu'on est dans un système de colocation. C'est chacun pour soi. Et enfin, le troisième système, 1 plus 1 égale 3, où chacun existe. Et la notion de couple, le « nous », prend vie et existe. La première étape du couple s'appelle la fusion. Notre conjoint est le plus beau, la plus belle. Il n'a pas de défauts, ou du moins les défauts sont minimisés.
C'est le meilleur. C'est la plus jolie. Les qualités sont maximisées. C'est comme si nous n'avions pas d'identité. Nous ne vivons qu'au travers de l'autre, qu'au travers du couple. Mais après quelques années de vie, nous découvrons la réalité. Comme on dit, le mariage ouvre les yeux. Et nous voyons enfin l'autre tel qu'il est. Et nous nous rendons compte que nous avions exagéré ses qualités et minimisé ses défauts, et même sous-estimé sa résistance au changement. C'est la phase qu'on va appeler la phase d'établissement des territoires et l'apparition des premiers conflits. Et c'est ici que le « nous » dont j'ai parlé, qui représente le couple, va devoir être construit, car il ne naît pas tout seul, c'est une construction. Il va devoir être construit afin de vivre. Et c'est le temps du changement et du dialogue. Le principal à ce moment, c'est bien de quitter, car nous ne pouvons pas rester chacun sous nos positions et nourrir des conflits incessants. Quitter va nous permettre de faire des changements. Et c'est ainsi que nous retrouvons sur notre route le verset que nous avons vu, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce verset est en fait un résumé, un condensé du projet de Dieu pour le couple. Ce qui frappe dans cet ordre, c'est qu'on retrouve une dynamique « quitter, s'attacher, devenir ». D'emblée, on y devine un cheminement, une évolution, un devenir, certainement aussi un apprentissage, car cela a beaucoup d'implications dans nos vies. Est-il possible de quitter ses parents sans souffrir, sans les renier? L'homme est-il le seul concerné par cela? Puisque la Bible dit « l'homme quittera son père et sa mère ». Comment concilier l'ordre de quitter père et mère avec le commandement que Dieu nous donne d'honorer aussi père et mère? Qu'allons-nous laisser et trouver en quittant? Car on sait d'où on vient. C'était peut-être agréable, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver ailleurs. N'est-ce pas sortir d'une dépendance pour entrer dans une autre? Et si quitter devenait salutaire pour nous, en fait? Et il est surprenant de trouver ce commandement divin tout de suite après la création de la femme. Le mariage est pris d'emblée dans une tension affective entre l'union avec son conjoint et la rupture avec la famille. Cependant, ce n'est pas une rupture d'affection, mais plutôt une rupture de proximité. La fin d'un épisode de notre histoire est le début d'une nouvelle aventure. Les protagonistes changent. Si avant il y avait plusieurs acteurs, maintenant les principaux rôles sont tenus par mon conjoint et moi-même. Que signifie le mot « quitter » ? Sans nous lancer dans une étude, on voit derrière le mot « quitter » le mot « abandon », mais sans que ce soit forcément un reniement. On peut abandonner quelque chose sans pour autant le désavouer. On peut voir cela comme laisser derrière soi. La Bible indique clairement qu'entrer dans le mariage, c'est laisser derrière soi père et mère avec une nouvelle terre à conquérir. Et cela concerne les deux conjoints. Et on peut facilement imaginer qu'à l'époque, souvenez-vous, les histoires bibliques, assez souvent, c'est la femme qui quittait le foyer de ses parents pour aller s'installer où l'homme habitait. Voyez l'exemple de Sarah, voyez l'exemple de Jacob et Rachel. Il y a plein d'autres exemples dans la Bible. Donc on peut comprendre facilement que ce texte-là, dans le contexte biblique, soit donné à l'homme dans la mesure où la femme faisait déjà quelque part cette démarche, du moins physiquement. Pour prendre pleinement possession du nouveau pays, il faut d'abord déserter l'ancien, celui dans lequel nous jouissions d'une sécurité affective, matérielle, et c'est donc pas sans difficulté que les enfants quittent les parents, mais que les parents aussi laissent partir leurs enfants. Quand nous parlons de quitter, nous devons équilibrer cette notion avec le commandement que Dieu donne, qui est d'honorer ses parents. Quitter ne signifie pas les ignorer, ne plus les respecter et oublier nos devoirs d'enfant, car un père et une mère resteront toujours parents jusqu'à la fin de leurs jours. La Bible
nous enseigne à prendre soin de nos parents et à ne pas négliger l'affection qui leur revient. C'est donc un jeu d'équilibre à trouver afin que chacun puisse s'épanouir. L'utile objectif qui s'inscrit dans la démarche de quitter est de devenir une seule chair. Le projet de Dieu pour le couple est que chaque nouvelle union se fasse sa propre place. Et cela va s'articuler de plusieurs manières. Quitter, c'est une rupture physique. Une distance est peut-être nécessaire, et certainement nécessaire, afin que le couple puisse voler de ses propres ailes et ne pas systématiquement faire appel à ses anciennes habitudes. Quand nous n'avons d'autre choix que de résoudre nos problèmes l'un en face de l'autre, c'est à la fois salutaire et consolidateur pour le couple. On remarque assez souvent que les couples qui se sont retrouvés isolés de leurs parents à cause de la distance ou d'une migration volontaire ou involontaire ont gagné forcément en indépendance et en complicité. Et quitter ses parents va aussi passer par se donner les moyens pour y arriver à une indépendance financière réellement vis-à-vis d'eux. Car dans ce monde, l'argent est aussi un élément clé pour pouvoir accéder à l'indépendance. Le deuxième aspect de quitter, une rupture affective. Expression souvent entendue, couper le cordon ombilical. C'est peut-être la rupture la plus dure à réaliser. Et souvent, il y a des cordons ombilicaux qui traînent encore pendant un certain nombre d'années, jusqu'à 50, 60 ans. Parce que ça nous touche au plus profond de notre être. Les liens qui nous attachent à nos parents, toute notre histoire familiale, c'est très fort, on l'a vécu pendant les premières années où tout s'est forgé. Pour certains, ce sont de véritables chaînes dans le cadre du couple, mais pour d'autres, la famille est le seul lieu de ressourcement affectif. C'est là qu'ils ont vécu et partagé toutes leurs émotions. Et selon les contextes familiaux, cette dépendance sera plus ou moins importante. Vous imaginez facilement la difficulté que peut vivre un conjoint si l'un d'entre eux raconte à ses parents tout ce qui se passe dans son foyer. On se retrouve dans un ménage à trois. Ce sont des choses qui existent. Et l'opinion d'un parent a de fortes chances de ne pas être impartiale. C'est humain. Le conjoint qui subit cette situation peut se sentir humilié car il n'y a plus d'espace d'intimité, de cercle restreint de confiance où l'on peut se mettre à nu, se faire connaître et se donner. Travailler à la libération affective, c'est aussi le refus de la critique des parents à l'égard du conjoint. J'ai le devoir de défendre mon conjoint et en outre d'indiquer clairement que je refuse et rejette ses critiques. Mais attention, ce refus de la critique a aussi pour corollaire l'acceptation des parents du conjoint. S'interdire de les rejeter par des critiques malveillantes et répétées. On peut accepter ses beaux-parents tout en prenant sereinement ses distances par rapport à leur mode de vie ou leurs valeurs. Ce n'est pas incompatible. Et enfin, un dernier aspect de quitter, c'est aussi une rupture. Je me suis trompé de sens. C'est aussi une rupture d'autorité. L'autorité des parents se présente et s'exprime sous deux aspects. Nous avons une autorité légale qui dure jusqu'à l'âge de 18 ans, la majorité financière. En fait, la majorité, même pas la majorité, c'est la majorité déclarée par les hommes. Et nous avons une autorité morale qui se fonde sous le vécu des parents dans la réalité entre eux et les enfants. Une telle autorité, elle ne se décrète pas, elle ne s'impose pas par la violence, elle se gagne dans les cœurs. Le couple doit apprendre à vivre dans la paix cette rupture d'autorité. Dès le début, il faut qu'il soit capable d'affirmer sa liberté, la revendiquer. Le couple n'a pas à se soumettre à l'autorité de ses parents. Le couple aussi doit choisir ses valeurs, même si elles proviennent de l'éducation reçue. Mais le couple a la nécessité de faire le choix de ses propres valeurs. Choisir son mode de vie. Le mode de vie de ses parents peut être bien, mais il n'est pas forcément normatif. Il est important que le couple choisisse ses propres valeurs, celles qu'il veut garder de l'éducation reçue de ses parents respectifs et celles qu'il va laisser tomber.
Ainsi, choisir notre mode de vie et apprendre à faire des choix en accord l'un avec l'autre, c'est une démarche d'adulte. Les conseils des parents peuvent se révéler utiles et doivent être intégrés dans notre réflexion de couple, mais il est faux et dangereux de n'oser rien dire sans l'aval des parents. Le couple doit devenir responsable. Ne pas mettre aussi les parents au courant de trop de problèmes, parce que les parents ont aussi les leurs à régler. Et de cette manière, vous gardez aussi une certaine indépendance. Indépendance de garder votre liberté de choix et de décision. Un autre domaine à quitter, c'est aussi notre autonomie, nos habitudes à vivre en autonomie, habitudes de célibataire. Je ne suis plus indépendant, mais interdépendant. Et cela va impliquer des responsabilités. Mon conjoint passe avant mes copains, avant mes copines. Je ne peux plus faire n'importe quoi. Et c'est là que les difficultés peuvent commencer. Ainsi, on ne peut se marier sans séparer. S'il n'y a pas eu une vraie séparation, la vie conjugale sera troublée. Et si le couple ne peut fonder son propre foyer complètement à part des deux familles, l'ingérence continuelle des beaux-parents est à redouter. Il est toujours difficile de partir réellement et difficile de laisser partir du fond du cœur. Dans le domaine spirituel, Dieu nous appellerait-il aussi à vivre ces trois temps? J'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Premièrement, l'exemple d'Abraham. La Bible nous dit dans Genèse 12, verset 1, « L'Éternel lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Dieu choisit donc un homme à qui il propose un projet, une alliance, un devenir, une participation active au plan de Dieu qui sera de bénir le monde entier par la venue de Jésus. Car le Messie viendra de sa postérité et sera une bénédiction pour toutes les nations. Dieu lui demande toutefois une condition, celle de quitter l'environnement qui l'entoure. Et pourquoi lui demande-t-il cela? Peut-être que son entourage n'était pas propice à son développement. Un milieu idolâtre, vu le contexte de l'époque ou rempli de tentations, qui le ferait certainement perdre de vue l'objectif fixé par Dieu. La Bible ne le précise pas. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu et partit pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait, avec Dieu comme seul appui, seule ressource, et il aura le privilège d'une intimité particulière. Ça a été une décision difficile, car à l'époque, les gens vivaient en clan. Le poids de la famille était important. C'était une question de survie. Abraham ne savait pas si le pays où il allait serait fertile ou agréable, s'il pourra y faire du commerce pour survivre. Il décide de s'appuyer sur celui qui lui propose de faire ce voyage vers l'inconnu. Car le plus beau pays de résidence est bien celui où Dieu habite avec nous. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple du peuple d'Israël. 400 ans plus tard, qui après toutes ces années passées en Égypte, dans l'esclavage, à vivre comme bon leur semblait, ou comme ils pouvaient, on dira, Dieu les invite à quitter le lieu où ils avaient grandi. On peut se dire que pour le peuple d'Israël, étant esclave, c'est beaucoup plus facile. Mais l'attachement n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel et psychologique. Et c'est un énorme obstacle pour les enfants d'Israël qui auront du mal à abandonner les dieux de l'Égypte et regretter les plaisirs passés. Et que fait Dieu? Dieu les déracine en traversant la mer Rouge et les invite à quitter l'Égypte afin de s'attacher à lui pendant 40 ans avant de devenir le peuple que Dieu souhaite, qui sera en bénédiction aux autres nations. Les croyants aujourd'hui sont ou seront soumis à la même épreuve qu'Abraham ou le peuple d'Israël sous une forme différente.
Nous aussi, nous sommes appelés à abandonner une carrière qui pourrait nous promettre la fortune et les honneurs, à quitter nos proches ou renoncer à un milieu agréable et avantageux pour mieux vivre notre foi. Une vie facile, un entourage sympathique, peut pour certains entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle Dieu nous destine. En conséquence, Dieu nous amène loin des influences et des conseils humains. Là où, n'ayant plus que lui comme ressource, nous pourrons mieux le connaître. Lorsque nous acceptons Dieu dans notre vie, nous sommes aussi appelés à quitter les habitudes mondaines ou contraires à la volonté de Dieu. Et la Bible développe cette notion sous le terme que nous retrouvons dans les épîtres de Paul comme « mourir à soi-même ». Souvenez-vous, Jésus dit dans Jean 3, verset 3 à Nicodème, « Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. » Et Paul dit, « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. » Êtes-vous dans cette dynamique? Avez-vous quitté pour venir à Dieu? Ce n'est pas une option. C'est un processus perpétuel, mais indispensable à notre vie chrétienne. L'objectif, s'attacher à Dieu et devenir un être nouveau. Nous allons donc passer à la deuxième étape qui était proposée, l'attachement. S'attacher, c'est un processus. Ce n'est pas l'amour fou que l'on ressent au début de la relation amoureuse. Et là, je reviens au couple. Nous reviendrons à la vie spirituelle après. C'est une toute autre réalité, car il se construit tout au cours de la vie. En hébreu, le verbe « attacher » ici correspond à se rendre solidaire de, s'agripper à, se lier avec. En grec, il évoque l'image de deux feuilles de papier qui sont collées sur toute la surface et que l'on ne peut détacher sans qu'elles se déchirent. L'attachement se transforme et grandit tout au long des différentes étapes de la vie de couple, pendant la lune de miel, pendant l'organisation de la vie commune, tout au long de la vie. Et il se fait au fur et à mesure que l'on se détache de ses parents, car il faut se détacher d'un côté pour s'attacher de l'autre. C'est ainsi mon conjoint qui devient mon plus proche prochain. C'est avec lui que je veux bâtir ma vie de couple et de famille. Cela va donc nécessiter certains choix qui vont m'amener à lâcher certaines attitudes, certaines priorités ou relations pour en choisir d'autres qui vont me permettre la consolidation de mes liens dans le couple. S'attacher est un travail volontaire, celui de la construction de la vie de couple. Comme un enfant, le couple naît, se développe, mûrit et il s'épanouit. Mais il peut aussi régresser s'il n'est pas soigné et il peut mourir. C'est donc un processus qui demande des soins constants. La problématique de la vie de couple réside dans notre façon de gérer nos conflits aussi. C'est un vrai apprentissage, car toute relation est génératrice de conflits. Tout simplement parce que nous sommes différents, nous l'avons vu déjà ça par le passé. Il est donc utile de nous interroger sur notre manière de réagir, savoir reconnaître nos torts, apprendre à communiquer, à nous écouter, à nous demander pardon quand cela est nécessaire. Reconnaître nos responsabilités dans un conflit et vivre le pardon réciproque, c'est la source de croissance et d'attachement pour le couple. Dans le domaine spirituel, à travers le sang de Jésus qui nous a apporté la purification, la justification et la sanctification, le croyant est devenu une nouvelle créature. C'est ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Le chrétien, après avoir quitté son ancienne vie, s'est engagé avec Dieu et est maintenant appelé à s'attacher à lui. Et pour toute âme réellement convertie, le grand objet de la vie, c'est la connaissance de Dieu et des choses éternelles. Le salut implique que nous menions une vie sanctifiée sur la base de ce que Christ a accompli au calvaire. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, Paul appelle les croyants à être saints dans leur conduite. La Bible enseigne clairement en quoi consiste la sanctification
et comment on y demeure. La Bible enseigne la chose suivante. Priant en faveur de ses disciples, Jésus disait, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dieu nous appelle à le connaître en passant du temps avec lui, dans la lecture de sa parole, jour après jour. La lecture quotidienne de la Bible est donc une nécessité à notre progression et croissance chrétienne, car c'est un moyen nécessaire pour contempler Dieu au travers de ce qu'il nous a laissé comme récit, comme exemple. Le faisons-nous pour autant? Combien de fois ne repoussons-nous pas à demain ce moment si précieux que Dieu nous offre? Car nous sommes aspirés par les choses de la vie qui semblent si importantes. Donner la priorité à Dieu pour ce moment revient par cette forme à lui donner la première place. D'autre part, Paul déclarait et déclare qu'on est sanctifié par l'Esprit. Et Jésus a dit à ses disciples que quand l'Esprit viendra, il les conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Pour les rendre donc capables de mener à bien cette sanctification, Dieu offre aux disciples et à nous l'Esprit de sainteté, afin que, comme nous dit Paul dans Romains 1, verset 4, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Parce qu'ils sont devenus une nouvelle création, les croyants sont investis de cette nouvelle responsabilité. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, dit Paul, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. La Bible nous appelle à nous attacher à Dieu en vivant par l'Esprit. Les croyants remplis du Saint-Esprit ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit, nous dit Romains 8, verset 9. Ils sont transformés, car l'Esprit de Dieu habite en eux. L'objectif d'une vie remplie de l'Esprit est d'être agréable à Dieu, et cela passe par une transformation de notre caractère, une transformation de notre être. Ce sont donc à la fois l'Esprit et la parole de Dieu qui nous révèlent les grands principes de justice contenus dans sa loi. Étant donné que la loi de Dieu est sainte et bonne et qu'elle est une expression écrite des perfections divines, un caractère qui sera formé à l'obéissance à Dieu sera saint et agréé de la part de Dieu. Jésus a été un exemple parfait dans ce domaine pour nous. Il dit « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Et je fais toujours ce qui lui est agréable. Nous devons donc devenir semblables à lui en nous attachant à Dieu et former par la grâce des caractères conformes aux principes de cette sainte loi. Mais cette œuvre est progressive et elle a commencé lorsque nous avons accepté Dieu. Paul dit, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. » Seul le Créateur peut accomplir l'œuvre créatrice consistant à transformer nos vies. Ne l'oublions pas. Cependant, si c'est lui seul qui peut le faire, il ne peut le faire sans nous. Notre collaboration est indispensable et nous devons pour cela nous soumettre à l'action de l'Esprit. Et enfin, j'aborde avec vous la troisième étape. Devenir un. Un homme et une femme partagent tout ce qu'ils ont, leurs biens matériels, mais aussi leurs pensées, leurs sentiments, leurs joies et leurs souffrances, leurs espoirs et leurs craintes, leurs réussites et leurs échecs, tout en demeurant deux personnes distinctes. Les époux sont solidaires et marchent ensemble. Et ils le proclament en se mariant, qu'ils partagent la responsabilité de leur conjoint, et qu'ils lutteront avec lui en toutes circonstances. Cela exige un amour actif et persévérant qui n'abandonne jamais. Lorsque nous entendons que nous sommes mariés pour la vie, vous l'avez déjà entendu cela, on le dit dans le cadre du mariage,
Le mot vie a deux sens. Il y a le sens de la durée, mais il y a aussi le sens du principe de vie. Vous vous imaginez être attaché avec quelqu'un pour la vie, alors que dans le cadre du mariage, ce n'est pas du tout ce principe de vie qui est en œuvre. Jésus lui-même ne dit-il pas qu'il est venu afin que les brebis aient la vie ? Dans nos couples aussi, Dieu souhaite que nous ayons la vie. Le mariage n'est pas une prison où l'on est condamné l'un à l'autre, mais un espace de vie où l'on vit en abondance. S'il n'y a pas de vie dans nos foyers, c'est un problème sérieux. Cette troisième étape fait aussi apparaître la sexualité, mais comme vous le voyez, en troisième position. La vie de couple prévue par Dieu nous rappelle que la sexualité s'inscrit dans le projet de bonheur du Créateur. Il l'a prévu pour notre joie, dans un certain cadre, et non pas pour la souffrance et les abus, comme nous pouvons le voir dans les pratiques mondaines qui nous entourent et qui cherchent à nous influencer. L'union physique entre mari et femme est dans le plan de Dieu pour le mariage, tout autant que le fait de quitter ses parents, de s'attacher l'un à l'autre. La sexualité est un lieu où la différence homme-femme j'ai perdu une feuille. Où la différence homme-femme se manifeste. Accordez-moi quelques secondes. Il y a de drôles de coïncidences puisque l'ordinateur a imprimé la feuille 11 et la feuille 13, mais pas la 12. Le thème de la sexualité. Ça veut dire qu'on reprendra le sujet? Mais je vais essayer de vous dire ce que j'avais écrit sur la sexualité. En fait, la sexualité est bien vécue. Voilà, heureusement qu'il y a le petit PowerPoint que j'avais préparé quand même. La sexualité, devenir un, donc le thème de la sexualité, est fondé sur la présence du lien d'amour, d'interdépendance entre deux conjoints. La sexualité a pour but de conforter ce lien d'amour. Sans ce lien d'amour, la sexualité sera mal vécue. De même dans la sexualité, quand l'un ne respecte pas l'autre, ne respecte pas la différence, parce que c'est bien le lieu où la différence homme-femme se manifeste le plus. Si on ne va pas dans le sens de ce lien d'amour, la sexualité va nous faire passer, on va considérer l'autre comme un objet, si on ne le respecte pas. Dans le cadre de la sexualité, il y a quatre éléments à prendre en compte. Pour que la sexualité soit épanouissante, devenir un, il faut qu'il y ait un engagement affectif des deux conjoints. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un partage du juste pouvoir. Vivre dans une relation de dominé à dominant n'a jamais été une relation épanouissante. Respecter l'autre tel qu'il est, ses différences. L'équilibre entre affectif, logique et action, c'est ce que j'appelais la recherche du lien d'amour qu'on doit cultiver l'un envers l'autre. Et enfin, le dernier aspect,
c'est la capacité à gérer les conflits. Car s'il y a des conflits entre nous, vous comprenez bien que cela va provoquer une gêne. Ah, même le diaporama s'y met. Alors, devenir un. Quelle application pouvons-nous en faire dans le domaine spirituel? Il me manque aussi la feuille. On va, pareil, improviser avec ce que les souvenirs qui me restent. L'histoire raconte qu'un jour, un homme passa près d'un édifice en construction et il interrogea trois ouvriers en demandant au premier « Que fais-tu ?» Le premier dit « Je taille des pierres. » Vous connaissez cette histoire? Il demanda au second « Que fais-tu ici ?» Le second dit « En attendant de trouver mieux, je suis venu travailler à la construction de cet édifice. » Et le troisième, il demanda au troisième « Mais que fais-tu ici ?» Le troisième s'arrêta de travailler, lui, un instant, pour répondre avec enthousiasme « Je suis en train de construire une cathédrale. » Et en fait, seul le troisième avait la vision et savait quel était le but à atteindre. Dieu souhaite que nous ayons sans cesse devant nous la vision de son plan dans nos vies. Éphésiens 4, 1, verset 4 nous dit que Dieu nous avait élus avant la fondation du monde. Dieu nous appelle à lui ressembler. La finalité de la vie avec Dieu, à lui ressembler et à refléter sa gloire. Romains 8, verset 29 nous parle d'être semblable à son Fils. Et 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit qu'il nous transformera à son image de gloire en gloire. Jésus, tout en accomplissant son œuvre de salut, nous a laissé un exemple. Il a passé son temps à servir les autres et les attirer vers Dieu. Nous avons vu ce matin ces trois grandes parties, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. La Bible nous dit que ces trois parties, ces trois éléments sont inséparables. Si l'une d'elles manque, le mariage n'est pas parfait. Ne perdons pas de vue que nous ne quittons pas ou ne nous, nous attachons pas en une seule fois. Cela se fait par itérations successives au fur et à mesure que nous avançons. Ceux-là qui auront quitté et qui se seront attachés exclusivement l'un à l'autre, ceux-là seuls pourront devenir une seule chair. Ces trois éléments dépendent l'un de l'autre comme les trois angles d'un triangle. Mon vœu pour chacun d'entre nous pour cette nouvelle année est que Dieu aide chaque famille à vivre ces trois étapes dans leur couple afin que nous soyons plus équilibrés, que nous soyons un rayon de soleil pour ceux qui nous entourent, mais aussi que chacun d'entre nous nous vivions aussi cela dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire la présence, la recherche de la présence de l'Esprit dans notre vie, l'étude quotidienne de la parole de Dieu et la persévérance dans la foi, afin d'être aussi une bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Bon sabbat à tous.